bien de là où le stationnaire et du vent fort entre midi et deux sur la Canoro. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable à couvert. Il y a des timides éclaircies par moment. De la pluie par moment aussi. Une température extérieure qui est douce à 16 degrés. Une température de l'eau à 17-18 cet après-midi. Un temps à variable à couvert avec averse. Hein. Quelques éclaircies. Une température à 17. La marée est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à 15h35. Avec des petits coups qui sont les 36. Et sur cette marée qui descend, ben, la houle ne grossit pas. Et je pense que c'est toujours la houle de Kiran, là. Une houle longue de 13 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest, même si elle a pris un peu de taille sur la bouée Arcachon-Gascogne qui tourne en moyenne à 6 mètres en seconde. Elle a pris un peu de taille, un peu de période. Et par rapport à ce matin, là, c'est la même taille, c'est assez surprenant. Il y a 2,50 en déferlement régulier, 3 mètres, 3,50 sur la majorité des séries, et de temps à autre, 4 mètres sur les grossettes. Donc voilà, une petite pensée pour les mouettes, pour les goélands là, qui prennent vent sur vent sur vent sur vent. Là, on ne voit plus que les gros là, qui arrivent à tenir au vent. Les petits sont aux abris, ils vont être fatigués au bout d'un moment. Alors si vous les voyez sur la plage posés, essayez de les éviter, de les contourner pour éviter qu'ils décollent, parce que là, ils se reposent quand ils sont posés sur la plage. Et là, comme il y a tempête tous les jours, là, à mon avis, ils doivent fatiguer. Bon, et non, c'est pourri, il n'y a pas de surf et pas d'action, bien évidemment. Et donc, on a la houle de la tempête Domingos qui va arriver. Mais pour le moment, sur la boue Arcachon-Gascogne, c'est stationnaire. Mais bon, ça va être cette houle qui va arriver. Là, elle est à 6 mètres et 11 secondes. Et juste pour info aussi, c'est pas souvent que l'on a le vent de la tempête qui arrive nettement avant la houle. Parce que l'évolution pour le reste de la journée, ben, ça va légèrement poussé par le vent grossir, hein, on attend à 17h 4 mètres à peu près, ou ouest à ouest nord-ouest Domingos, 13 secondes de période avec le vent qui va se renforcer ouest-sud-ouest 9 à 10 Beaufort. Et donc le moment où le vent sera le plus fort, ce sera entre 16h et 3h du matin dimanche, avec sur les dernières prévisions des modèles, là, les dernières sorties, toujours les rafales les plus fortes sur les coups de 22h. Vers peut-être 130 km/h, peut-être un petit peu plus. Et le dernier modèle, là, il le donne un peu plus sur la cano. Ce matin, ça donnait un peu au nord de la cano. Là, c'est un peu plus dans la cano. Donc à voir, hein, ça peut changer. Ce qui est certain, c'est que de 16h à 3h du matin, il y aura du vent fort. Et le pic de la houle est attendu à 3h du matin avec des vagues de 7 à 8 mètres. Mais là, pour le moment, sur les bouées, il n'y a rien de vraiment remarquable, hein, c'est une dépression qui arrive assez bas. Et donc sur Irlande, on est à 3,50 et 7 secondes. Sur la bouée Brest, à 5 mètres et 9 secondes à la hausse. Mais nous, on a la bouée Arcachon-Gascogne qui, dans la nuit, là, sur les coups de 20h, 22h, elle devrait atteindre 10 mètres, voire dépasser un petit peu 10 mètres. On a connu plus gros. Quoi qu'il en soit, attention, accès aux plages interdites, parking les aussi. Prudence et vigilance de rigueur, respecter les consignes. Et on se retrouvera demain matin pour une tournée d'inspection. Bonne journée.